Ici, dans le district de Mukono, au centre de l'Ouganda, l'école secondaire Sir Apollo Kaggwa est l'une des premières à avoir reçu une formation pour ses 24 élèves malvoyants et leurs assistants. Nous les formons d'abord à l'utilisation des smartphones. Nous avons constaté que certains d'entre eux ne les avaient même pas pris en main. Ils étaient tellement excités de les avoir et d'être formés à leur utilisation. L'introduction de l'application Blind Assistant a été bien accueillie par eux, car maintenant ils n'ont plus besoin de beaucoup d'aide. Ils peuvent lire en fait pour les examens. Ils n'ont plus besoin de passer 30 minutes en dehors de la salle d'examen pour que les textes soient transférer en braille. Maintenant, ils peuvent lire les instructions tout seuls et ensuite répondre, donc ils bénéficient des mêmes avantages que les personnes voyantes. Ahmad Mouongé, un étudiant malvoyant, explique que le Blind Assistant est une réponse à ses problèmes de lecture. Lire les notes n'a pas été facile parce que nos amis ont tendance à être trop occupés et que le temps passe vite. Cette application, le Blind Assistant, est venue résoudre tous ces problèmes. Nous pouvons lire seuls et dans le temps que nous voulons. Cette application est un logiciel mobile qui, une fois installé sur un smartphone Android, transforme ce dernier en un appareil capable de lire des textes imprimés ordinaires. En outre, il peut détecter la monnaie et peut également être utilisé pour identifier des objets. Actuellement, les smartphones sont remis gratuitement aux élèves après la formation. Les étudiants estiment qu'une telle formation ne se limite pas à la salle de classe. Compte tenu de la fonction de l'explorateur, je peux l'utiliser lorsque je voyage. Il peut m'aider à tout lire sur mon chemin et aussi à la maison. Quelqu'un peut m'envoyer chercher un objet particulier et je ne sais pas où il est. Alors j'utilise simplement le téléphone et il me le dit. Les concepteurs espèrent offrir cette application à plus de 1000 élèves en Ouganda.